Rosax, et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur Call of Duty Black Ops. J'avais envie un petit peu de retourner sur les vieux Call of. Donc il faut savoir que Black Ops c'est mon tout premier Call of Duty. Voilà, c'est sur ce jeu que j'ai fait que j'ai commencé Call of. Donc voilà. J'ai décidé d'y retourner. J'ai fait une partie ce matin, bon j'en ai fait qu'une seule. Et de la première partie, j'ai déjà fait un assez bon score. Donc je vais vous la faire partager cette partie, qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc c'est en domination. Je joue avec la Galil, mais voilà, j'ai changé maintenant. Je vais prendre la FAMAS. Donc FAMAS silencieux. Galil silencieux, FAMAS silencieux, c'est vraiment des tueries sur ce jeu là. Aussi le commando, et qui est vraiment pas mal. Donc ça a un petit peu rappelé des souvenirs de rejouer sur Call of, puisque ça faisait quand même longtemps et tout, et franchement c'est les plus anciens, je trouve les meilleurs. Donc voilà. Donc un atout, j'ai pas bien vu, dès que je vais mourir, parce que je vais mourir 5 fois, je vous dirai les atouts, parce que là je les ai pas vus, mais déjà il y a tour de passe-passe, après je sais plus trop quoi, mais bon. Tour de passe-passe pro, je crois. Après je vous dirai, parce que je m'en souviens plus trop des atouts qui y a sur Black Ops. Alors là j'avais ramassé une Galil qui est sans silencieux, qui est aussi bien les sans silencieux. Donc là on prend B. Donc voilà, donc je vais pas trop jouer objectif à vrai. Donc là je crois que c'est à ce moment là que je commence une belle série. Je crois, je suis trop sûr. Mais en tout cas, les autres vont bien se faire atomiser. Hein. Même par les autres joueurs de mon équipe, on va bien les niquer. Voilà. Donc voilà. Donc là je suis à 3 ou 4 kills, je sais plus. 4 kills là. Voilà, j'ai mon colis stratégique. Donc voilà. Donc si vous avez autre chose. Genre si Ghost ou BO2, ça dépend ce que vous avez, commence à vous faire chier, bah allez sur vos anciens Call of ou d'autres jeux au lieu de se prendre la tête sur Ghost et tout. Même si ils sont très bien les Ghost BO2 et tout. Mais c'est vrai que des fois faut changer, faut pas non plus rester, faut pas stagner sur un jeu. Voilà, il y a beaucoup de jeux, donc du coup faut en profiter. Donc là vous voyez, j'avais vu un petit sniper, hop, et je prends son arme parce que j'avais plus de munitions sur mon FAMAS. Donc voilà, je vais faire un ou deux kills avec ce snipe. Donc ça m'a fait bizarre de le reprendre parce que je sais pas, il est bizarre comme snipe. J'étais habitué au snipe de Ghost et tout, et là de reprendre ce snipe qui est vraiment bien, ça a fait bizarre. Puis aussi faut j'ai fait une bonne partie, enfin je fais des bonnes parties parce qu'en fait si vous voulez, comme on a peu de vie sur Ghost et qu'on se tue assez facilement, quand on va sur les autres sur les anciens Call of, bah du coup on est habitué à se faire tuer vite, et du coup là ça change et tout, donc du coup voilà. Là je débloque mon Yui. Alors je marathon et j'y ai par balle, hein, je viens de remarquer ça. Donc voilà, là j'ai mon Yui, donc je vais faire quelques kills avec. Donc là aussi ça m'a fait bizarre de reprendre le ce strict là, c'est. Puis en plus j'avais pas trop configuré, donc ma manette du coup elle a vibré pendant tout le truc, c'était assez chiant ça par contre. Et donc voilà. Donc je vais faire quelques kills, comme je vous ai dit, je vais faire un assez bon score. Donc là vous voyez quelqu'un qui essaie de me descendre avec mon hélico, mais il va réussir après. Vous voyez le truc qui part un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, je fais quelques kills. Je vais me faire tuer après, par contre voilà. Ici c'est là où je vais me faire tuer. Donc après je vais pas faire de. Donc vous voyez là je suis du 17-3. Après je vais plus trop faire de kill streak à part les colis et tout. Mais après voilà. Donc c'était une partie assez bien quand même, on les a bien atomisés.
Donc c'était cool. Vous voyez là, je les retenais un petit peu au spawn. Et puis ça marchait vraiment bien. Donc dans le bon, dans le coulis, j'ai pas eu des grands kill streak, hein. MRCXD. Là, un petit avion espion. Là, vous voyez, j'ai lancé mon RCXD. Comme je savais qu'ils étaient dans le bâtiment. Bon, ça a fait un petit marqueur, ça a même pas fait de kill. Mais bon, vous voyez, il se tient au spawn. Et ça, c'est vraiment cool de faire ça, de tenir au spawn, c'est assez marrant comme ça. Donc là, vous voyez, avec le Blackbird qui mène pas mal. Donc le Blackbird, comme je vous ai dit, il n'y avait pas que moi qui faisais une bonne série, il y avait quelqu'un d'autre, je crois aussi. Mais en tout cas, j'avais une bonne équipe. Et voilà. Donc là, vous voyez, je me fais tuer avec une Semtex. Et ça, c'est assez chiant, par contre. Semtex. Donc voilà, j'ai quand même eu un colis. Je vais pas avoir aussi un truc exceptionnel dans le colis. C'est vrai que sur Black Ops, il n'y a pas beaucoup de kill streak. Donc là, j'avais une toile auto, elle va faire quelques kills. Et voilà. Donc moi, franchement, si vous retournez sur Black Ops, je vous conseille vraiment de prendre un FAMAS ou un Galil ou Commando. C'est vraiment les armes d'assaut les meilleures, quoi. Après, en mitraillette, c'est à l'AKU, l'AK-12, non, c'est ouais, c'est l'AK-12, je suis plus trop sûr, qui est pas mal aussi. Et donc voilà. Donc peut-être qu'un jour je retournerai aussi sur Modern Warfare 3 et je ferai aussi une vidéo, je vais voir ça. Modern Warfare 3 j'aime pas trop. Alors là vous voyez un coup de quête dans le vide, ça c'est j'étais un peu deg là. À dernière à même pas une demi-seconde je l'avais le kill, mais c'est fait descendre avant. Donc là vous voyez, je continue ma série. Ah là je me fais tuer, donc là c'est après une fois plus. C'est déjà du 26-5. Je crois que c'est bientôt la fin de la partie. Et donc voilà. Donc c'est franchement sympa de retourner sur les vieux Call of comme ça. MW2 j'aime pas trop. C'était pas mon Call of parce qu'en fait je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté tard. Je crois que MW3 était déjà sorti. Mais j'avais envie de voir ce que ça donnait et en fait. Je pense comme ça je l'aime pas trop, mais je pense qu'en fait je l'aime pas trop parce que c'est j'ai pas été habitué à jouer avec et tout, du coup c'est voilà. Et donc voilà, donc là la partie va bientôt s'achever. Je crois que je vais faire du 32-5 ou un truc comme ça, je sais plus trop, ou 31-5. Donc voilà, donc là vous voyez on les maîtrise bien, hein. Je veux dire là ils se font tuer de partout. Voilà, du 35. 2 captures, 5 défenses. Il y en a un, il faisait du 22, un peu comme ça, j'ai pas... ouais, je sais plus trop, mais en tout cas, c'était vraiment des bons scores. Et voilà, regardez, il y a quelqu'un dans notre équipe qui a eu les chiens et tout. Donc franchement, c'est une partie franchement agréable. Enfin, pour nous, hein, parce que pour les ennemis, c'était pas... ça n'a pas dû être... ça n'a pas dû être... enfin, ça a dû être chiant pour eux, donc voilà. La partie est terminée, je m'en tire avec du 31-5, 2 captures et 5 défenses, voilà. Et l'autre, 21-21. Donc voilà, donc on va prendre une petite cam et tout. Allez, c'était Rosac, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Allez, salut tout le monde. It won't be wrong. I need